Bonjour à vous toutes et à tous. Merci de vous accueillir dans le cadre de notre matinale, les matinales du CEPS, et plus particulièrement dans cette dynamique et une dynamique portée par un certain nombre d'organisations, mais surtout une DARA. Je laisserai tout à l'heure le soin à Sophie Le Guyader de nous présenter très rapidement ce qu'est le Fonds INPRA, l'initiative de ce tour des villes. Et le fait d'aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui portent et dynamisent les villes, je dirais, à taille humaine, villes moyennes, qui sont des écrins. Et le fait de mettre en avant ceci nous paraissait essentiel, surtout dans un contexte où le retour à cette présence, ce retour à cet essentiel, le contact humain, est extrêmement primordial. Donc, nous sommes heureux d'être matin, je dirais avec Clément Ferrand, et on nous dira pourquoi Clermont nous paraissait une impérieuse nécessité. On verra tout à l'heure que Clermont n'est pas le royaume perdu, je dirais, des volcans sont éteints, mais c'est quelque chose vraiment un passage qui était obligé dans notre tour des villes. Alors, c'est vrai, nous irons après ça à Cannes, nous irons à Roubaix, mais Clermont-Ferrand nous paraissait plus qu'une évidence. Nous allons débattre d'un thème clé, comment relever le défi de l'attractivité et du dynamisme à visage humain d'une métropole à haute valeur ajoutée. Et c'est volontairement que nous avons précisé d'une haute valeur ajoutée. Certes, l'orateur du maire de Clermont-Ferrand nous ont cité peut-être ceci, mais nous avons déterminé de mettre haute valeur ajoutée parce que vous allez découvrir, il y a quelque chose dans cette ville. Il y a un dynamisme, il y a un rayonnement et une volonté de relever les défis du futur. À l'image du logo de Clermont-Ferrand, on voit effectivement c'est une orientée vers l'avenir avec volonté de dynamisme. Et vous allez assister à quelque chose qui va être plus que surprenant, la conviction d'un homme qui porte et qui souhaite aller plus loin pour les concitoyens. Alors, très rapidement, je passe la parole à Sophie Le Guyader. Merci Loïc. Bonjour Monsieur le Maire, bonjour à tous. Voilà, je suis la déléguée générale du Fonds Indara. Je représente aujourd'hui Jean-Paul Mazoyer, son président, qui n'a pu être présent et s'excuse de ne pas être là avec nous ce matin. Alors, en quelques mots, vous dire ce qu'est Indara et pourquoi nous sommes aux côtés du CEPS pour ce beau projet Tour des villes. Toute l'aventure Indara est née de la conviction du rôle moteur des territoires dans les transformations d'avenir de notre société. Dans un monde en mouvement, dans lequel vous venez de le dire, Loïc, les grandes métropoles n'ont plus vraiment la cote. Les territoires sont le lieu privilégié de nouvelles dynamiques économiques, culturelles, sociétales. Nous le verrons sûrement beaucoup dans cette matinée. D'autant qu'aujourd'hui, les moyens technologiques et numériques le permettent davantage et que l'échelle locale est souvent plus pertinente, plus efficace pour aborder des problématiques multidimensionnelles et multi-acteurs. Le contexte actuel a renforcé durablement le besoin d'ancrage dans les territoires, on le constate nous tous aujourd'hui, et c'est une réelle opportunité pour les territoires d'imaginer et construire des solutions face aux différents enjeux. Alors c'est pour porter en fait cette conviction, cette vision, que le projet d'Indara a été lancé fin 2020 dans le sud-ouest par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, comme une sorte d'accélérateur de progrès territorial, alliant les dimensions hommes, numériques, territoires et enjeux de durabilité. Alors, Indara, c'est un fonds de dotation qui rassemble des mécènes autour d'une programmation d'intérêt général au service de ces transformations des territoires, avec l'ambition d'accompagner les transitions et toutes les nouvelles formes de développement. Nos missions s'articulent autour de trois piliers. Un premier pilier, le phare, qui est plutôt un espace de réflexion, de proposition, de repérage, de décryptage d'initiatives pour réfléchir ensemble à l'avenir des territoires. La fabrique, le second pilier, qui est plutôt dans une dynamique là, plus concrète d'initiation et d'accompagnement d'expérimentation et de projets pilotes pour soutenir des actions sur le territoire. Et puis Indara Social, qui est vraiment toute la caisse de résonance de communication pour nous permettre en fait de faire rayonner et amplifier ces dynamiques et donner les moyens à chacun finalement de s'inspirer et d'être acteur du changement. Alors, l'initiative qui nous réunit ce matin autour de ces questions d'attractivité des territoires fait complètement écho évidemment à notre engagement pour développer les échanges et tout ce qui est partage d'expériences sur ces nouvelles dynamiques de territoire. Voilà, ce partenariat avec le CEPS autour de Tour des villes, c'est vraiment l'occasion de développer ces espaces de réflexion et d'expression
d'ouvrir ces échanges au plus grand nombre, et on le voit au travers des participants ce matin, et voilà, d'inspirer des propositions sur ces enjeux de transition. Donc, je suis vraiment ravie d'être à vos côtés pour cette matinale. Merci Sophie. Alors, bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce fonds est placé sous la haute bienveillance du groupe Crédit Agricole. Oui, je l'ai dit, j'ai indiqué. Voilà, et c'est très très important car le Crédit Agricole, c'est la proximité au service. Exactement. Alors, Mehram Sy, qui, je vous le rappelle, est maire adjointe de la mairie des Temples et chargée de mission Action Cœur de Ville. Mehram, c'est à vous. Merci, M. Trévoz-Lespierre. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à tous les participants. Donc, je rappelle, en effet, donc, je suis chargée de mission et des partenariats acteurs économiques au sein du programme Action Cœur de Ville. Donc, Action Cœur de Ville, c'est 222 villes dites moyennes. Et donc, moi, en tout cas, c'est une très grosse opportunité d'être autour du CPS sur le programme Tour des villes, parce que Tour des villes s'adresse à toutes les villes, moyennes ou non, parce que enfin, de nos jours, c'est, les enjeux se ressemblent. Donc, merci à vous, en tout cas, Monsieur le maire, d'être présent. Donc, Monsieur le maire qui a eu cette chance, en tout cas, de déménager de ville en ville. Donc, je peux en citer quelques-uns, Sens, Le Puy, Aurillac et j'en passe. Et par la suite, en tout cas, vous s'est installé et consacré ses études de droit à Clermont-Ferrand. Des études qui ont poursuivi, vous avez enseigné en tout cas pendant 10 ans à Clermont-Ferrand, à l'université d'Auvergne. Et un engagement et un parcours encore qui se poursuit dans la même ville, donc cette si belle ville de Clermont-Ferrand, où vous êtes maire depuis 2014. Et président de Clermont-Auvergne Métropole. Donc, Monsieur le maire participe aux côtés d'Anne Hidalgo et de certains maires autour d'une plateforme lancée récemment, donc, qui s'appelle Idées en commun, donc une plateforme de débat, d'échange composée d'élus et des citoyens engagés pour bâtir un projet écologique, solidaire et démocratique. Donc, autour de cette plateforme, Monsieur le maire est chargé de travailler sur le volet de la culture. Donc, Monsieur le maire aussi, donc, depuis quelques jours, on a pu voir, en tout cas, en dehors de ce côté politique au sein de Clermont-Ferrand, cette joie que vous avez pu, en tout cas, accueillir pour vous et pour les footeux, je dis bien pour les footeux, d'avoir Clermont-Ferrand en Ligue 1. Donc, on a vu cette joie à travers Clermont. Donc, je ne suis pas fan de foot, mais je suis fan de Tour de Ville aux côtés de Monsieur Trévoz-Lespierre. En tout cas, nous avons le plaisir de vous recevoir pour commencer, en tout cas, notre escale. À Clermont-Ferrand et avant d'atterrir prochainement, comme a pu le citer M. Trévoz-Lespierre, à la ville de Cannes. Donc, merci à vous, M. le maire, d'être présent parmi nous et je laisse la parole à M. Trévoz-Lespierre pour débuter pour la première séquence. Merci, Mera, merci. Alors, je salue la présence d'Éric Isabelle, qui est maire adjoint de la mairie de Bois-Colombes. Je salue effectivement Rémi Cambeau, car effectivement, c'est cadre de ville, c'est ce média qui s'intéresse aux villes, à leurs évolutions, et qui assurera cette délicate mission de la synthèse de nos débats. Mais pour lui, c'est un exercice d'une étonnante évidence parce que, comment dire, il a la subtilité d'écouter et de mettre. Alors, nous commençons par la première question. Alors, monsieur le maire, quels sont les atouts de Clermont-Ferrand? C'est une ville moyenne qui est à la fois centrée et à la fois isolée. Comment désenclaver ceci, sachant que il a fallu du temps pour que finalement, cette belle cité puisse être jointe? Au niveau autorité, il a fallu du temps, au niveau ferroviaire aussi. Quels sont ces handicaps qu'il faut surmonter pour relever le défi de l'attractivité et retrouver une dimension métropolitaine, voire devenir une vraie capitale territoriale à dimension européenne? Bon, ben d'abord, bonjour vraiment à tous et merci de cette initiative et merci de cette invitation. Je crois beaucoup qu'effectivement, il se trame au sein des territoires et notamment de ces territoires moyens, enfin, si la formule, tout le monde la comprendra, peut-être l'opportunité d'imaginer un avenir pour les habitants. Et donc, je pense que vous avez là un lieu d'observation extrêmement fécond. Voilà. Vous irez à Cannes d'ailleurs. J'ai partagé avec le maire de Cannes, David Misnard, la coprésidence
de la culture, de la commission culture des maires de grande ville. Donc, vous le saluerez également de ma part. Et vous savez, je sais qu'il y a quelques amis auvergnats dans la salle, ils vont entendre des choses qu'ils entendent répéter souvent, mais je crois qu'il faut partir de l'histoire des territoires pour bien les comprendre et de leur géographie, et notamment quand on parle aujourd'hui de surmonter notre enclavement géographique, vous l'avez évoqué, on ne peut pas faire fi de cette position centrale au sein de l'État national, souvent d'ailleurs un peu oublié dans les années 70 par la DATAR avant, et donc on traîne comme ça un certain nombre de handicaps qui sont encore aujourd'hui, je pense notamment sur le ferroviaire, j'imagine qu'on y reviendra, un sujet de préoccupation importante, puisqu'au fond, on est la seule et dernière grande métropole à ne pas être reliée, j'ose même plus dire, par une ligne à grande vitesse, parce que ça serait, mais par une ligne qui fonctionne. C'est même encore pire. Mais au fond, il faut imaginer que Clermont-Ferrand, on parlait tout à l'heure de son rôle en matière de banque et de billets, Clermont-Ferrand est une ville qui a échappé par deux fois à sa destinée manifeste. Sa destinée manifeste, c'était d'être une ville de 30 ou 40 000 habitants dans le Massif central, un peu enclavée, en difficulté potentielle de déprise qu'on connaît aujourd'hui dans ce type de territoire. Elle l'a échappé deux fois, l'une par une décision strictement privée et l'autre par une décision strictement publique. Et j'aime bien cette morale-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à allier dans la complexité les décisions des pouvoirs publics et puis finalement les initiatives privées. Alors, vous m'autoriserez à raconter ces deux choses et vous allez du coup très vite comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça devient une métropole à valeur ajoutée. La première initiative, c'est évidemment celle de deux frères qui pensent au fond que si on met du caoutchouc autour d'une roue, l'ensemble des véhicules sur la planète vont tourner bien mieux. Ils le font en observant un pneu crevé, je crois, d'un cycliste anglais perdu dans la pampa auvergnate. Et donc, ils trouvent la solution, ils montent cette industrie et ils font de Clermont-Ferrand d'abord un lieu de production, un lieu d'innovation, je fais rapidement, et vont lui donner tout de suite une internationalisation très forte, puisque je rappelle que c'est la seule entreprise de ce niveau-là, du CAC 40, qui a son siège international encore mondial dans une ville de province sur le territoire national. Ça n'est pas rien. Et ce qui fait que, évidemment, on a connu au moment de la production une internationalisation d'ouvriers, notamment portugais, ce qui fait qu'après Paris, on est la deuxième ville portugaise de France, avec plus de 35 à 40 000 portugais sur l'ensemble de la métropole, de gens d'origine portugaise. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a le centre Recherche Monde à Ladoux, les langues qu'on peut entendre, les communautés qu'on peut voir dans notre territoire, c'est aussi des communautés japonaises, coréennes, américaines, européennes, indiennes, etc. Et donc, première chose, finalement, tout de suite sortir finalement de l'histoire strictement agricole, et on verra à quel point d'ailleurs cette stratégie industrielle de recherche a elle aussi nourri le pôle de primaire de l'économie, je pense notamment avec l'Imagrain, troisième je crois en semencier mondial, et donc ça a créé une sorte d'écosystème d'attention aussi à la question de l'innovation, de la recherche, etc. Aujourd'hui, 6 000 chercheurs publics, 7 000 chercheurs privés sur le bassin métropolitain clermontois, ça fait de nous, dans les classements, peut-être, ça ne nous met pas aux places dans lesquelles l'imaginaire de projection des Français pourrait nous situer par nature. Le deuxième, donc, initiative privée, développement de cette entreprise, tout le monde la connaît bien, une des marques les plus repérées dans le monde. Elle est tellement bien que les Américains pensent que c'est une marque américaine quand elle est installée là-bas. Donc, voilà. Et puis la deuxième, c'est une décision publique et qui vous surprendra, parce que moi, elle ne cesse de me surprendre. Je fais des recherches dans les archives municipales pour comprendre ce qui a pu être le moteur, l'intuition, presque l'intelligence de ces élus. Les élus municipaux de Clermont-Ferrand dans les années 1900, début du siècle, décident de construire une école municipale de médecine et une école municipale de droit.
Les premiers enseignants qui vont enseigner la médecine et le droit, nous, ce n'est pas l'université de Montpellier qui date du Moyen-Âge. Hein. Les premiers enseignants dans ces champs disciplinaires sont, c'est une décision municipale et sont des employés municipaux. Et donc, au début, on est plus de l'ordre de l'école, comment dirais-je, enfin, c'est pas une université, elle ne délivre pas tous les diplômes tels que l'université les fait, mais en tout cas, elle commence à créer une réflexion autour de l'enjeu majeur du savoir, de l'enseignement supérieur, etc. Et l'histoire de Clermont, c'est aussi évidemment le repli de l'université de Strasbourg au moment de la guerre. C'est ici que Marc Bloch a commencé à écrire les premières pages de L'étrange défaite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, très vite, ce travail, cette structuration va produire une université de plein droit qui va être décidée. Et aujourd'hui, l'ensemble des champs de disciplinaires sont couverts, de la sociologie à un INP, de la médecine au droit, de l'économie aux sciences, des sciences humaines, etc. Et nous avons environ 40 000 étudiants sur cette ville. 40 000 étudiants sur 140 000 habitants intramuros, je pense que tout le monde comprend le ratio, ils sont donc dans le paysage, dans la géographie, dans la structure de la ville, fondamentaux. 50 000 habitants des 140 000, 50 000 des 140 000 en moins de 25 ans. Vous voyez là des éléments qui déjà vont commencer à donner la couleur de cette ville, y compris tout à l'heure, on en parlera sur quelques désagréments qui peuvent être liés aussi à cette population jeune et étudiante dynamique, mais quelquefois un peu exubérante. Donc, du coup, évidemment, ces deux décisions ont fait que, au lieu d'être cantonné à être une ville moyenne qui allait structurer son bassin de vie, on est devenu le pôle, en tout cas, moi, c'est ma conviction, le pôle du Massif central, avec une polarisation, diraient les géographes, bien plus large que l'Auvergne historique, et avec des étudiants qui viennent faire leurs études quand ils sont en Saône-et-Loire, quand ils sont en Nord-Lozère, quand ils sont en Creuse, etc. Et du coup, on y viendra tout à l'heure dans la seconde question, mais cela nous a donné l'opportunité d'un leadership naturel et bienveillant, mais d'un leadership géopolitique sur cet espace territorial. Alors, le problème, c'est que, je dis souvent avec les images un peu… On est un peu une tête atrophiée sur un corps malingre, parce qu'en réalité… Évidemment, la ville va plutôt bien, la dynamique est importante. Je parlais de la jeunesse, je parlais des étudiants, je parlais des chercheurs. Nous avons tous les marqueurs de valeur ajoutée métropolitaine en matière culturelle, en matière de recherche, en matière de médecine, etc. Mais nous sommes un peu les chefs de la tribu gauloise, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'Empire romain. Donc, il y a quand même autour de nous des départements qui rencontrent un certain nombre de difficultés, de déprises démographiques, de complexité économique. Et surtout, vous l'avez dit, je crois que c'est le handicap le plus important aujourd'hui, qui est celui pour nous de notre connexion nationale et internationale au reste du monde, parce que sinon, on a là des difficultés très fortes. Et c'est d'autant plus pénalisant que l'écosystème économique, c'est quand même, pour citer quelques marques qui vont peut-être parler aux uns aux autres, c'est quand même le laboratoire Théa, donc un gros pôle en pharmaceutique, c'est Babymove, l'une des plus grandes aventures locales qui est devenue, je crois, la première marque en matière de puériculture, d'objets de puériculture. Enfin pour les enfants, vous m'avez compris, pardon. Mmh. Et l'Imagrin, je l'ai dit, Algorithmique, qui est quand même cette boîte formidable qui aujourd'hui fournit en texture vidéo tous les jeux vidéo de la planète et qui est aujourd'hui repérée pour le cinéma comme étant celle qui est le plus à même de produire les effets spéciaux dans ce secteur-là. Pitcher, pour ceux qui aiment les vêtements, enfin, qui est l'une des grandes marques de vêtements de montagne et de glisse, hein, très appréciée d'une partie de la jeunesse. Et donc, je ne vais pas être plus long, il y a vraiment ici des pépites d'entreprises, des pépites de services publics. On parlait de la Banque de France qui continue
je le dis puisque tout le monde n'était pas arrivé, à fabriquer une grande partie des billets et du coup, y compris de l'Afrique francophone, ce qui fait que l'aéroport de Clermont est le deuxième aéroport fret de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a vraiment beaucoup de talents, de ressources, un écosystème d'enseignement supérieur de qualité, mais nous avons ce handicap qui est finalement la connectivité. Et ce handicap, il est lié aussi, je me permets de le dire, parce qu'on y reviendra tout au long des questions. Moi, je crois beaucoup, évidemment, à l'avenir des territoires, au travail des collectivités locales, à l'engagement des politiques publiques à cette échelle, mais je ne crois pas qu'elles peuvent s'imaginer sans une concertation, une coopération indispensable avec l'État national. Hein. Et donc, moi, je suis une sorte de Girondin qui serait matiné de jacobinisme ou d'un Jacobin matiné de Girondisme. Je crois beaucoup à la nuance et je ne crois pas beaucoup à l'opposition des deux. Je crois au contraire que face à la complexité des sujets, nous devons les porter ensemble. Or, la question, par exemple, de l'aménagement du territoire pour le Massif central, on y reviendra, dépend en grande partie sur un certain nombre de sujets, de décisions qui ne relèvent pas d'un maire. Hein. Le maire peut donner des impulsions, il peut fabriquer des conditions de justification d'un regard bienveillant de l'État, économique, démographique, structurel, mais les masses financières engagées, le fait qu'elles ne portent pas sur le territoire, aujourd'hui lier Paris à Clermont correctement en voie ferroviaire, ça concerne assez peu la métropole. Ça concerne deux ou trois régions qui sont traversées, ça concerne des départements, mais très peu nous. Et donc, c'est à l'échelle nationale que ça doit se porter. Et donc, nous essayons aujourd'hui c'est finalement la stratégie que je propose, c'est de proposer à notre territoire d'auto-justifier par nos propres engagements, notre propre volonté, un regard à nouveau bienveillant d'aménageur territorial national. C'est ça le sujet. Et donc, il faut justifier ça. Vous avez un débat, vous l'avez vu aujourd'hui, 4,1 milliards sur la ligne pour continuer Bordeaux-Toulouse. Et pour bien connaître le maire de Toulouse, et on discutait souvent avec lui, on peut faire user de la corde de « pourquoi pas nous ?» etc. Mais la réalité, c'est que vu de l'État, l'arrière-pays toulousain et la masse critique que cela justifie est sans commune mesure avec notre arrière-pays à nous. Et donc, une des missions, un des enjeux de la métropole clermontoise, c'est de structurer, et ça fera le lien peut-être avec la question suivante, mais c'est structurer, finalement, c'est le projet politique d'être le chef de fila de ce massif central et d'essayer de le remettre dans la course européenne. Merci, monsieur le maire. Ça pose trois questions. Premier élément, cette énergie, cette volonté, cette ténacité qu'il faut développer est sans doute beaucoup plus que les autres villes qui peuvent être en bord de mer ou qui peuvent être sur des grands axes. Et là, c'est un peu la peine parce que vous êtes enclavé et on ne peut pas dire qu'on vous aide dans ce domaine-ci. Routier a permis de développer un certain nombre de choses, le ferroviaire n'est pas là, et de surcroît, si on a cette double peine qui consisterait à dire désormais moins d'avions, c'est-à-dire on va privilégier le ferroviaire. Cette décision qui est prise, au nom notamment de réduire le phénomène carbone, ne risque pas de réenclaver finalement votre ville. Ce qui est d'ailleurs le combat que mènent toutes les villes moyennes, c'est avoir du ferroviaire digne de ce nom. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est comment. Alors, c'est très impertinent ce que je vais dire. Dans vos plans de développement, est-ce que vous imaginez l'après Michelin ? J'entends par là, Toulouse est en train de découvrir sans doute une réduction de la voilure d'un groupe comme Airbus. Et les autorités locales avaient anticipé, mais pas tant que ça, ce qui risque de se passer. Comment voyez-vous ceci ? Et la troisième question, j'ai été très, très surpris. 50 000 personnes ont moins de 25 ans. Comment finalement relever le défi de cette jeunesse dans cet univers enclavé et désenclavé ? Je dis bien désenclavé parce que vous faites un travail qui est magnifique.
Merci. Et c'est un travail qui est à construire encore, enfin, je veux dire, une sorte de montagne de Sisyphe. Hein. Je pense qu'on aura à y revenir plus d'une fois pour y arriver. D'abord, peut-être répondre sur Michelin. Évidemment, c'est un peu le cauchemar d'un maire comme celui de Clermont-Ferrand. Hein. C'est ne pas être le maire le jour où Michelin déciderait de quitter le territoire. D'abord, il faut être honnête. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la stratégie de l'entreprise et ce n'est pas simplement en parole. Les signaux envoyés sont plutôt extrêmement rassurants d'un investissement depuis plus de 20 ans sur le territoire, très fortement. Moi, je suis assez peu inquiet de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce choc, nous l'avons déjà connu. C'est plutôt Roger Quillot, d'ailleurs, qui a dû l'assumer. Et il faut savoir que la réponse, qui est peut-être celle qui a fait, j'ai oublié de le dire quand je parlais des forces du territoire, c'est pas simplement quelques grands groupes qui seraient des pépites, c'est que nous avons un tissu de PME et de TPE extrêmement solide et que du coup, d'ailleurs, dans les questions et les périodes de crise, on est plutôt agile. Pour vous donner un chiffre, sur les années 80, 90, 2000, les 15 000 emplois à peu près perdus dans la manufacture ont été retrouvés dans le circuit des TPE-PME. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas connu de grandes crises de désindustrialisation comme le Nord avec les mines. Hein. Clermont a échappé à ça. Alors, pour être très honnête avec vous, une partie de certaines fonctions ayant été externalisées, c'est venu nourrir un écosystème de TPE qui, elle-même, reste dépendante quand même. C'est-à-dire que souvent, quand on discute avec un patron, dans quelques secteurs que ce soit, de petites entreprises locales ou moyennes, on se rend compte que Michelin est un parmi d'autres, mais en tout cas un client important de la structure. Et donc, vous avez raison de dire qu'il pourrait y avoir un phénomène de château de cartes ou de domino, évidemment. Donc, moi, je crois là qu'il faut, pour que justement Michelin soit toujours présent, il faut que nous donnions nous-mêmes les atouts pour que la question ne se pose pas. Ça passe en termes de formation et donc d'innovation et de recherche et d'enseignement supérieur parce qu'il faut fabriquer les cadres de demain. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs très bien avec l'installation de leur école de l'industrie du 4.0, là, qui a été un gros projet public-privé qui est plutôt de qualité. Je pense que ça passe aussi par le désenclavement ferroviaire, vous avez raison de le dire. On ne pourra pas éviter ce travail-là. Et pour justifier de ce désenclavement, moi, j'ai été, tout à l'heure vous l'avez rappelé, j'ai déménagé plus de 10 fois dans ma vie, mais parce que j'étais fils de cadre supérieur de la SNCF, et comme les gendarmes, il fallait déménager tous les 3 ans pour faire carrière. Donc, j'ai fait le tour du réseau Paris-Sud-Est, à l'époque c'était comme ça, et c'est pour ça que c'est dans tout ce quart-là que j'ai habité jusqu'à Sens. Mais ce qui est important à dire, c'est que nous n'aurons pas a priori d'accompagnement si nous ne justifions pas. Enfin, moi, je n'ai pas de souci sur cette question-là. Donc, la question, c'est comment nous-mêmes, nous portons notre stratégie. Et de ce point de vue-là, je propose une chose importante, c'est qu'il faut un grand projet territorial. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on soit capitale européenne de la culture, parce que je pense qu'il y a là une opportunité. Nous avons des atouts extrêmement important. Vous l'avez dit sur le système de recherche, mais nous avons également les enjeux en matière de nature. Demain, une des grandes richesses du territoire national, ça va être l'espace. Nous l'avons. Ça va être l'espace naturel préservé. Nous l'avons. Ça va être des paysages et des décors qu'il faut évidemment sauvegarder. Et ça va être, il va y avoir un grand appel autour de ça. Donc, nous avons l'or de demain, en quelque sorte. Nous sommes dans des conditions d'équilibre suffisamment importantes. Et donc, du coup, je pense que nous avons les outils pour réussir. Mais par contre, il faut nous inscrire dans une stratégie européenne. Et la capitale européenne de la culture, à l'échelle du Massif central, c'est pour dire justement, regardez-nous comme nous sommes et non pas comme vous imaginez, comme vous nous fantasmez. Prenez en compte à la fois de façon très sereine nos handicaps, mais voyez toutes nos richesses. Et à partir de là, remettons-nous dans le jeu de l'aménagement du territoire national
et européen. Vous savez, je dis souvent, l'Europe, elle s'est construite sur le tapis des monastères du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, l'Europe se construit sur un nouveau tapis qui est au cœur de votre démarche. C'est pour ça que j'ai accepté cette invitation, parce que je pense que vous êtes dans le vrai, dans le juste, et très exactement à l'endroit où il faut être. Ce nouveau tapis, c'est celui de ces métropoles moyennes qui n'ont pas été toujours des grandes, dans les courants, des grandes capitales flamboyantes qu'ont pu être celles qui sont aujourd'hui la structuration nationale, mais qui sont à bas bruit les endroits où s'est transformé tout au long du XXe siècle des lieux agricoles, commerciaux ou de production en lieux d'innovation, de savoir et d'université, et de culture, et donc de création. Et que quand vous regardez les capitales européennes qui s'égrènent chaque année dans tous les pays européens, vous êtes sur des villes de 70 000 à 250, 300 000 habitants. Le temps des Lille, Marseille, Paris, pour prendre la France, sont les trois dernières. C'est un peu passé. Les capitales ont eu leur tour. Et maintenant, le discours de l'Europe se tourne vers tous ces territoires moyens qui fabriquent une internationale du savoir, de l'intelligence et de la culture, dans lequel finalement, ce que je vous racontais sur le récit de cette ville de col bleu qui est passée à une ville de col blanc, de cette ville ouvrière Michelin à cette ville de l'innovation, dans lequel Michelin est encore un acteur, qui change même ses paysages urbains, hein, c'est-à-dire transformation industrielle en lieu de service. Savez-vous que sur la métropole, il y a 250 hectares industriels mutables dans les 20 prochaines années, 250 hectares. Quand on parle d'atouts, imaginez des présidents de métropole qui ont la chance, au moment où on dit qu'il faut reconstruire la ville surveillée, d'avoir 250 hectares mutables sur 20 ans. C'est gigantesque. C'est un champ du possible pour penser les villes de demain extraordinaire. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans un élément très concentré où il vous reste soit l'étalement, soit de la reconquête foncière extrêmement lourde. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille à ça et que l'enjeu de la capitale européenne, c'est-à-dire faire savoir aujourd'hui, et là, moi qui ne suis pas auvergnat, je titille un peu les auvergnats de souche, c'est ce côté janséniste, si vous voulez, où vivons heureux, vivons cachés, où finalement il vaut mieux se plaindre que de montrer ses atouts. C'est un temps révolu qu'il faut abandonner. Il y a de la compétition, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure dans l'introduction. Il y a, en tout cas, moi, je dirais, il y a de la distinction de territoire à avoir. Et donc, il faut s'inscrire complètement là-dedans, en ne mentant pas sur nos faiblesses, sur nos handicaps, mais en étant capable de dire « voilà nos atouts ». Et donc, moi, je crois que le projet de capitale européenne de la culture, mais aussi, vous disiez, le sport, Ligue 1, ASM, Pôle Perche France avec la Villeni, tout ça, c'est des choses qui contribuent à un regard nouveau sur nous-mêmes. Et les étudiants, parce que vous parliez des jeunes, sont énormément porteurs de cela. Moi, je crois que ce sont des ambassadeurs extrêmement utiles. J'étais à Venise avant la période difficile, à la terrasse d'un café. Vous voyez à quel point je vous vends du rêve. Terrasse de café plus Venise aujourd'hui, c'est quasiment le nirvana. À côté de moi, il y avait deux jeunes qui parlaient français. Au bout d'un moment, voyant qu'on parle tous français, on se met à discuter. Et ils me demandent d'où je viens. Je ne dis pas que je suis le maire en général. Quand je suis, je viens de Clermont-Ferrand. Ah, nos amis, c'était des Parisiens, nos amis ont fait leur troisième cycle à Clermont. C'est une ville formidable. Ils y sont allés la boule au ventre en croyant qu'ils étaient relégués au fin fond de la Sibérie. Et ils ont découvert le tissu culturel, le tissu sportif, la facilité de vivre. Hein, vous savez, la maire de Paris. On discute souvent, elle propose la ville des 15 minutes, je crois. Exactement. Et nous vivons la ville des 15 minutes. Et c'est ça aussi nos avantages. Il faut peut-être que ce qui a été vécu pendant des années comme des outils, des situations qui étaient pénalisantes dans cette compétition un peu à la course à la grandeur, peut-être qu'aujourd'hui, nous avons finalement de faire de nos retards des atouts supplémentaires dans le monde qui se profile. Et donc, du coup, pour ces étudiants, leurs copains leur avaient vendu cette ville et ils y avaient passé des week-ends, etc. Donc, je crois beaucoup que cette jeunesse, maintenant, elle est très nomadisée. Hein, elle fait des premiers cycles dans une ville, elle vient dans une deuxième. Moi,
encore à garder un cours de communication politique. J'ai des étudiants en Master 2. Quand je fais les débuts d'année, il y en a trois qui sont de Clermont. Tous les autres ont fait un coup à Toulouse, un coup à Bordeaux, un coup à Rennes, leur Master 1, etc. Donc, et d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir de la recherche et du troisième cycle sur un territoire. C'est fondamental parce que c'est ça qui fait bouger les étudiants qui ensuite repartent, vont avoir des carrières professionnelles, ce ne sont pas obligatoirement clermontois. Mais quand ils discuteront devant tout le monde, ils sauront de quoi ils parlent quand ils parleront de Clermont et ils pourront la vanter. Merci, monsieur le maire. Juste avant, on va prendre une seconde question, mais juste avant, nous avons bien noté cette ambition de devenir une capitale européenne de la culture. Et c'est un beau challenge, mais sur quoi est étayée cette noble ambition? Nous étions à Bourges il y a quelque temps, où le souhait du maire, c'était de devenir capitale européenne de la culture. Dans cette compétition ou co-compétition, quels sont vos atouts pour relever ce défi? D'abord, paradoxalement, quand on regarde les dossiers pour l'Europe, ce n'est pas obligatoirement simplement la question du champ artistique. Hein. L'enjeu européen aujourd'hui se situe sur le rapport que nous introduisons entre la culture et les citoyens, c'est-à-dire leur part d'embarquement dans l'aventure, leur mobilisation, leur souhait, leur désir, à travers les citoyens, évidemment, l'ensemble des composantes de la société locale, c'est-à-dire les entreprises, les universitaires, les intellectuels, etc. Donc, nous avons aujourd'hui, je crois, un territoire qui est prêt à se mobiliser et qui croit qu'il y a là, ça fait 5-6 ans qu'on y travaille, qu'il y a là une opportunité, effectivement, à notre portée pour faire parler de notre singularité. Le deuxième enjeu pour l'Europe, c'est la question des territoires. Et donc, nous, c'est une capitale à l'échelle du Massif central. Nous voulons que l'Europe profite de cette occasion pour dire quelque chose à ces territoires. Il y en a partout en Europe qui ont été des anciens territoires enclavés ou qui le sont encore en partie. Des endroits qui sont ce qu'on appelle dans le langage courant des zones blanches, avec une déprise économique quelquefois, une déprise démographique, des géographies handicapantes pour le transport, etc., et qui finalement se sentent un peu abandonnés. Or, la question européenne, elle est aujourd'hui très portée sur comment il y a une adhésion à la fois nationale, des populations, des citoyens, des territoires, dans la geste et l'épopée européenne. Donc, nous avons cette chance-là. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, pour tout vous dire, que cette année concourent d'autres candidatures, Bourges, par exemple, en est une, mais je vais en citer deux autres importantes, qui mettent au cœur de leur problématique la question des territoires. C'est la Corse, avec Bastia, et c'est la candidature... Donc, Bastia, c'est la candidature Bastia et la Corse. Nous, c'est clairement le Massif central. Et puis, c'est la candidature de Saint-Denis avec les villes de banlieue. Vous voyez bien que là, on est dans des questions territoriales très fortes. Rappelez-vous, Sarkozy si voulait le dialogue euro-méditerranéen. C'est pour ça que Marseille, à un moment donné, a été décidé, que le MUCEM a été créé. Maintenant, sur la partie strictement artistique, vous savez, on est une ville aujourd'hui repérée au niveau des politiques publiques culturelles. Moi, j'ai bossé 15 ans dessus. Vous avez 7 centres photographiques en France. Vous en avez un à l'hôtel de Fonfrède qui est magnifique à Clermont-Ferrand. Vous avez le premier centre d'art pour les 0-6 ans. C'est nous qui l'avons créé, Milleformes, avec Beaubourg. C'est à Clermont. Et le ministère s'interroge aujourd'hui sur le labelliser et le généraliser en France. Nous avons le Festival international du court-métrage, qui est le Cannes du court, comme on dit. Sur lequel toutes les chaînes de télévision du monde entier viennent pour faire leurs achats pour la diffusion de courts-métrages et qui est très repéré. Nous avons le Festival EuropaVox, nous avons le Festival international des textiles, nous avons une scène nationale toute neuve qui va être inaugurée dans quelques jours par la ministre. Nous sommes en train de construire une très grande bibliothèque et nous avons construit 7 dans le dernier mandat pour remettre à l'échelle de la métropole un réseau en dynamique. Nous sommes une des rares territoires où vous pouvez bénéficier avec la même carte des collections étudiantes et des collections de lecture publique et inversement. Du coup, je pourrais multiplier à foison. Nous avons une dynamique culturelle très, très puissante et donc nous croyons à nos chances. Alors, c'est une compétition, vous l'avez rappelé. Et beaucoup de mes compétiteurs sont des amis sympathiques parce qu'il y a Rouen aussi, il y a Bourges,
et à Bastia. Et donc, voilà, le meilleur gagnera. Mais pour l'instant, nous allons essayer, autour de ce projet du Massif central, rejoint par 3 régions dans notre candidature qui ont adhéré, par une dizaine de départements, par les 25 grandes structures européennes culturelles du territoire qui vont de Bibract à la Cité du design de Saint-Étienne, en passant par le musée Soulages de Rodez, le théâtre de rue d'Aurillac, etc. Merci, monsieur le maire. Quelle question ? Alors, la deuxième question est la suivante. Alors, quelle est votre ambition pour la ville de Clermont-Ferrand et jusqu'où aller ? Vous avez un petit peu ouvert le sujet, mais nous allons aller un petit peu plus au cœur de ceci. Avec quelle priorité ? Parce qu'à un moment, il faut choisir. Et surtout, avec quelle marge de manœuvre compte tenu des contraintes d'ordre politico-administratif, budgétaire et de la compétition intercommunale ? Alors, la priorité d'abord, c'est évidemment de créer de l'emploi et de la richesse. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas d'ambition pour un territoire s'il n'y a pas du travail. Et je le dis d'autant plus quand nous avons perdu notre rôle de capitale régionale. J'ai souhaité qu'on soit une métropole parce que je voulais garder les mêmes paniers de compétences que Saint-Étienne, Grenoble et Lyon, qui étaient les autres villes de notre région. Et je ne voulais pas décrocher. Cette perte de capitale régionale, souvent on est interrogé. Quels effets elle a eu ? On a indéniablement perdu quelques postes de commandement administratif, et quelques postes de direction régionale d'entreprise, encore qu'en fait, je constate, j'ai vu qu'il y avait quelques collègues ici qui pourront peut-être l'évoquer, que dans beaucoup de groupes, finalement, le directeur adjoint est souvent le directeur Auvergne, et que du coup, la structuration n'est pas si déstructurée que cela dans le champ de l'entreprise. Donc, du coup, moi, j'ai le sentiment que ce que nous devons faire, c'est justement encourager le tissu économique de notre territoire. Pour ce faire, il y a les enjeux numériques qui vont être essentiels. Vous parliez de désenclaver, nous en parlions ensemble, ferroviaire, c'est indispensable. Nous avons une chance aujourd'hui avec le numérique, c'est quand même de faire tomber une partie des contraintes géographiques, mais il ne faut pas louper. Il ne faut pas louper l'investissement dans ce domaine. C'est, à mon avis, un des secteurs sur lequel il faut évidemment renforcer les choses. La deuxième chose sur laquelle, donc moi, je pense qu'il faut inventer un modèle ensuite sur l'interaction, ce que nous, on appelle à France Urbaine l'alliance des territoires, mais l'interaction entre le rural et l'urbain. Quand vous êtes à l'échelle de métropoles comme les nôtres, je pense que le maire de Bourges a dû vous dire la même chose. Il n'y a pas en fait d'un côté les urbains, d'un côté les ruraux. Il y a une sorte de gamme qui va de l'urbain dense à l'urbain résidentiel, en passant par le périurbain, le rurbain, le rural, etc. Et tout ça, quelquefois, cohabite dans des mêmes bassins. Les habitants n'ont pas les frontières des collectivités dans l'esprit. Ils travaillent dans l'une, ils habitent dans l'autre, ils vont faire leurs courses dans une troisième. Et tout ça se mélange. Et donc, ce que nous devons, c'est poser des problématiques politiques, non pas à l'échelle de simplement nos communes, mais évidemment des questions intercommunales et de liens et de solidarité. Vous savez qu'à Clermont, on avait fait une étude il y a quelque temps avec l'agence d'urbanisme, 1470 euros de richesses créées dans les villes de la métropole et dépensées par habitant sur une année dans les autres villes hors des 21 communes de la métropole. C'est ça le lien, c'est qu'en fait, en réalité, il y a de l'interconnectivité financière, de déplacement, de création, etc. Donc, il faut qu'on invente quelque chose dans lequel nous avons une sorte de leadership naturel, mais qui doit être bienveillant. C'est-à-dire, je dis souvent, fils de cheminot, c'est bien d'avoir du charbon dans la locomotive, encore faut-il qu'elle tire les wagons. Si on n'y accroche pas les wagons, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire rouler la locomotive avec le charbon. Donc, il faut jeter de la puissance dans les centralités métropolitaines, parce que c'est eux, c'est elles qui sont les locomotives, mais elles ont un devoir, ça c'est leur droit, elles ont un devoir, c'est d'être solidaires, bienveillants et de tirer l'ensemble du
territoire avec elle. Donc, les activités, l'interface entre le rural et l'urbain sont essentielles. Et puis, peut-être un mot sur la gouvernance, si vous l'avez évoqué, la compétition, les finances, etc. Je pense que c'est un des enjeux principaux des temps qui viennent. Notre société est d'abord très connectée, mondialement, localement. Elle est très complexifiée. Et donc aujourd'hui, face à ça, vous avez deux types de réponses. Vous avez la réponse la plus entendue, la plus simpliste, qui est celle, quelquefois un peu populiste d'ailleurs, il y a un seul problème, une seule solution, tout va se régler. On peut être une question environnementale, ça peut être des questions de sécurité, ça peut être des questions d'immigration. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois avec Edgar Morin à la complexité du monde. Et je crois à l'obligation de travailler ensemble. Et donc, je prône l'idée que le partenariat doit être fort, public-privé, entreprise privée et pouvoir public. Public-public, État, collectivité locale. Locale, intercommunalité avec les unes et les autres. Nous avons un pays avec le Grand Clermont, autour de 4 PCI autour de nous. Nous avons fait un pôle métropolitain avec Vichy. J'ai signé des conventions de réciprocité, vous savez, ce nouveau cadre légal, je ne sais pas si tout le monde me connaît, qui permet à des grandes métropoles de signer avec des territoires ruraux des textes de coopération et de mise en synergie de nos compétences. Il n'y a pas d'institution créée, on fait de l'aide collective, on partage des données, on partage des compétences. Je l'ai fait avec Saint-Flour, je l'ai fait avec le parc Livradois-Forez, je veux le faire avec d'autres territoires ruraux. L'idée, c'est justement d'essayer d'embarquer tout le monde dans un chemin collectif. Donc, la gouvernance doit être apaisée, décrispée, décompétitionnée pour aller vers du partenariat. Et donc, moi, par exemple, je souscris souvent au projet du gouvernement et de l'État. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement sur beaucoup de choses, mais à chaque fois qu'un projet est proposé, qu'il est intelligent, nous contractualisons, et nous travaillons extrêmement bien ensemble, de façon tout à fait intelligente. Parce qu'il n'y a pas de sujet, vous prenez la question de la sécurité, je ne pourrais pas le résoudre à moi tout seul. Et donc, le ministre de l'Intérieur est venu, on va signer ensemble un contrat local de sécurité intégré. C'est exactement cette philosophie qui m'anime. Maintenant, sur la question des finances, parce que je pense que c'est un sujet important. Je crois que nous devons, dans cette période difficile, alors compliquée, maintenir un fort taux d'investissement des territoires. C'est indispensable. Si nous assumons la décrue de notre capacité d'investissement, alors il va y avoir une deuxième vague, mais elle sera non pas sanitaire, mais elle risque d'être économique. Pour ce qui nous concerne, nous allons maintenir, c'est le plan pluriannuel d'investissement qui va être voté en juin à la ville et à la métropole, 100 millions d'euros par an, 75 à la métropole, 25 à la ville. C'est la capacité à continuer à construire un stade, une bibliothèque, à financer un chantier au niveau de l'université, à enclencher la transition énergétique des bâtiments. Donc nous, on est en train de travailler sur ces investissements parce que je pense que c'est une des réponses. Il faut maintenir un fort taux de participation publique. Il va falloir donc être extrêmement gestionnaire pour que cela ne s'appuie pas simplement ou facilement sur une imposition augmentée. J'ai pris des engagements sur la ville pour qu'il n'y ait pas d'imposition supplémentaire dans ces 6 ans. Je pense que c'est un lien qu'on va tenir, mais il faut justement qu'il y ait un nouveau contrat finalement avec les habitants sur ce qui est de l'ordre du service public et ce qui doit être porté par les territoires et ce qui peut être porté par d'autres aux échelles, d'où la nécessité de la complémentarité et de la coopération. Merci, Monsieur le maire. En vous écoutant, j'ai compris, l'une de vos ambitions, c'est de faire en sorte que dans les faits, Clermont redevienne une sorte de capitale régionale. Oui, plus large même, puisque alors vous m'avez dévoilé, moi je le dis souvent, c'est pas un secret, je pense que nous sommes la capitale du Massif central. Voilà. Et d'abord, géographiquement, quand vous regardez les cartes, c'est pour ça que nous avons un problème. Nous avons été dans le royaume d'Aquitaine au Moyen-Âge.
Donc, nous avons sans arrêt changé. On ne sait pas si on est dans l'Ouest, si on est dans le. On n'a pas été très souvent dans le couloir rhodanien et dans l'histoire avec Lyon. Hein. C'est pas notre histoire. Vous faites toute la. C'est très compliqué. On était un des rares territoires du Royaume de France par-delà la Loire. D'où d'ailleurs Catherine de Médicis, la reine Margot en exil chez nous. Cette histoire-là, on l'oublie. Et l'un des hommes politiques que j'admire le plus en France, qui est dans mon bureau juste en face, vous pouvez pas le voir, qui est Michel de l'Hospital, qui a été le grand, enfin l'équivalent du premier ministre de Catherine Absolument. De Médicis, l'homme chef du parti des politiques. Je pense qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qu'il faudrait relire. Qui a inventé l'idée qu'on était d'abord dans un pays avant d'être une religion et qui a réussi à faire trois paix dans les guerres de religion entre protestants et catholiques. Je pense qu'il faudrait effectivement s'intéresser fortement à ce personnage aujourd'hui. Et nous fabriquons d'ailleurs des hommes politiques, hein, et tout ça, je pourrais faire la longue litanie des présidents du Massif central, et donc faisons des fromages et des présidents de la République. Donc ce qui est important, c'est que nous puissions dire au fond, que dans cette géographie-là, quand vous regardez le Massif central, vous n'avez d'abord la seule autre grande métropole, c'est Limoges, d'accord ? Et en même temps, Limoges a les mêmes désagréments que nous en matière structurelle, avec, et je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais moins d'avantages. Michelin n'est pas là. Leur entreprise Legrand, par exemple, qui est quand même un grand groupe, mais son site est à Paris, si je ne m'abuse, son site de gouvernance. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et ils n'ont pas pris et ils ne sont pas rentrés dans les 22 métropoles. Et donc, moi, j'ai adhéré comme métropole au comité de Massif. Je suis la seule grande métropole française à être adhérente au comité de Massif central. Mais parce que je considère que je suis, pardon de parler comme ça, un peu d'incarnation, mais il en faut aussi en politique. Je suis, et c'est mon projet politique, je veux que dans 20 ans, de façon absolument, évidente, nous soyons la capitale du Massif central dans l'esprit des gens. Et que nous polarisions, fédérions, organisons ce territoire-là. Ça ne nous empêche pas d'être l'ouest régional de Haut-Rhin. Mais l'ouest régional de Haut-Rhin, justement, a vocation à faire discuter avec l'arc atlantique, à faire discuter avec l'Espagne. C'est ça que nous apportons en macro-géopolitique. Et donc, pour faire ça, il faut structurer le Massif central, il faut en être le leader. Mais alors, j'apprécie vraiment cette ambition que vous avez, et je fais le parallèle, notamment vous citiez Limoges. Limoges est une ville qui ne cesse de s'éteindre. Et c'est surprenant de voir le cœur de ville de Limoges, comme les lampions qui finalement sont amenés à se couvrir eux-mêmes. Et votre propos est totalement éloquent. Il y a des villes qui sont en train de s'éteindre significativement. Moi, je malheureusement en fais partie. Alors, vous me permettez juste de dire un mot parce que alors, moi, je suis très prudent sur l'expression avec Limoges parce que je ne voudrais pas tout d'un coup. Non, mais en plus, je partage cette analyse, mais je le dis assez peu sous cette forme-là. Là, on est avec des gens intelligents. Parce que on peut très vite, dans ce monde un peu de. Des 146, faire le combat titanesque dans lequel on perdrait tous beaucoup d'énergie, et Limoges, et clairement. Donc, ce n'est pas mon sujet. Mais ce que je tire comme leçon, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on est à la fois sauvé par sa volonté politique, c'est ça la noblesse de l'action publique, et donc moi, je vais en mettre énormément, mais on est aussi sauvé avec ce qu'on a. Et c'est vrai que je rappelais l'histoire de Michelin. Ça, c'est indépendant d'Olivier Bianchi et de son histoire. On a cette chance. C'est à nous de ne pas perdre les atouts qu'on a. Voilà. Quand vous avez des atouts dans la main, vous devez les consolider, quitte à comprendre que ce n'est pas toujours vous qui les avez créés. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut être ouvert à l'opportunité des idées nouvelles, du Michelin de demain, de ces nouveaux frères qui auront l'idée du 21e siècle. Il faut toujours être attentionné à ça, au champ des possibles et à l'innovation. Alors, avant de passer à la troisième question, est-ce que vous avez créé, c'est une question, est-ce que vous avez créé à Clermont, finalement, une amicale des hommes et des femmes illustres ? Vous avez une sorte d'amicale qui serait des ambassadeurs de Clermont ? Alors, on a créé un travail qu'on n'a pas appelé d'ailleurs les ambassadeurs, mais qui est de cet ordre-là. Et notamment parce que moi, j'ai découvert avec beaucoup de stupéfaction que, évidemment, les Auvergnats sont beaucoup aller ailleurs, donc il y en a partout, un peu comme les Bretons, une sorte de diaspora.
Mais la différence, c'est que pour être fils d'une maman bretonne, et donc mon fils a le drapeau breton dans sa chambre, vous imaginez, quatrième génération, il est en Auvergne, mais il a le drapeau breton. Ça, c'est la force de la Bretagne. C'est que quand on est dans la diaspora, on en est quand même fier. C'est-à-dire qu'une sorte de culture. Alors que l'Auvergnat a décidé de c'est une autre façon, c'est une autre façon d'être migrant, hein, de se fondre dans son territoire et de nier finalement cette appartenance, même s'il a quand même un peu de fierté, notamment au moment du sport. Et du coup, il faut qu'on remobilise. Par exemple, dans le réseau des médias, vous seriez surpris du nombre de journalistes de haut niveau qui sont des Auvergnats d'origine et qu'on pourrait mobiliser aujourd'hui dans une campagne de transformation du regard national, mais qu'on n'a jamais mobilisé. Là-dessus, il y a justement de l'ordre de ce jansénisme de Blaise Pascal qui nous interdit de montrer trop de richesse, de peur d'être tout d'un coup envahi. Moi, je raconte souvent ça, parce que vous m'autoriserez une minute d'humour, j'appartiens à un petit groupe de joyeux lurons qui se réunissent régulièrement pour se moquer. Et donc, il y a des journalistes, plutôt des anciens maintenant, journalistes et comiques du territoire. Et il y a un repas, des agapes, c'est marrant. Et du coup, sur le train du Puy-de-Dôme, vous savez, ce train qui est monté, quand le train du Puy-de-Dôme fonctionnait, ce groupe avait décidé de lancer une pétition pour dire, donc il parlait en Auvergnat, on y est, vous savez, ils mettent des Y partout, on y est contre parce que ça va nous amener des touristes. Ça, c'était typiquement auvergnat, on se moquait évidemment de la culture auvergnate. Puis le train a eu quelques désagréments les premières années, comme ça arrive souvent, depuis tout fonctionne bien. Et donc, ils ont sorti un nouveau communiqué en disant, maintenant qu'il ne marche pas, on y est pour, parce que comme il ne marche pas, c'est tout à fait auvergnat, ça nous va bien. Et cette culture, cet humour, cette dérision de l'image, c'est un peu ça l'Auvergne. Il faut qu'elle apprenne à s'émanciper de ce regard sur elle-même un peu janséniste, un peu petit chinois, comme je dis souvent, d'autoflagellation permanente. Eh bien, écoutez, ça nous amène à la troisième question. Alors, la troisième question, comment relever le défi de l'harmonie locale ? On a cru comprendre qu'effectivement, pour vivre heureux, vivons cachés et entre soi. Donc, comment faire sociabilité ? Donc, le problème de l'emploi, du logement social et là, devant nos amis gendarmes et de la sécurité à Clermont-Ferrand, comment trouver le juste équilibre en matière d'aménagement ? Je trouve cette dernière question extrêmement intéressante et très bien de la mettre dans ce débat qu'on a, parce que évidemment la compétition, la distinction territoriale, la métropolisation, les grands enjeux économiques ou d'aménagement stratégique, c'est une partie de la vie de nos territoires, mais il y a aussi un revers de médaille et il y a aussi une réalité. La métropolisation, avec ses atouts, ses forces, elle génère aussi des inconvénients. Elle génère des inconvénients sur le manque de logement, elle génère des questions sur l'emploi, elle génère des questions sur la pollution, on pourrait le rajouter dans la congestion urbaine, les maladies chroniques. Et donc, elle nous invite et elle pose un sujet, je vais d'ailleurs parler essentiellement de ça pour montrer que c'est un vrai sujet, des questions de sécurité. La ville de tout temps, depuis le Moyen-Âge, c'est un lieu d'opportunité et c'est un lieu d'inquiétude et de peur et de violence. Donc, il faut qu'on arrive à ce que la transformation de nos projets métropolitains, c'est ce qu'on a traité dans les deux parties, ne fasse pas un décrochage dans lequel il y aurait des inclus, ceux qui participeraient de l'épopée métropolitaine, dans le monde économique, dans le monde du savoir, dans le monde de l'intelligence, dans le monde des étudiants, et ceux qui en seraient finalement les victimes ou les petites mains oubliées de la première ligne, comme on dit en ce moment, et qui finalement seraient les invisibles de l'épopée métropolitaine et qui ont une vie quotidienne dont ils ont le sentiment, pas obligatoirement la réalité, le sentiment que dans cette aventure où il y a de la dynamique, ils n'en ont pas les bénéfices, voire même ils sont oubliés. S'il nous invite d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant dans le métier de maire, si vous m'autorisez cette digression de deux secondes, c'est d'être à la fois dans le stratégique, dans le géopolitique, dans ce qu'on a discuté tout à l'heure, que moi j'aime beaucoup, et dans la vie quotidienne du trou dans le trottoir et du poste de deal, de shit devant l'immeuble. Donc il faut qu'on fasse sans arrêt ce jonglage multiscalaire entre les différentes choses. Donc, sur la question d'abord le logement social, la ville de Clermont a une tradition qui est liée évidemment à Roger Quilliot, qui a été ministre du Logement,
qui a fait cette loi. On a un peu moins qu'ailleurs, le logement social a été plus dispersé sur l'ensemble de la ville, il y en a y compris en centre-ville, etc. Cependant, j'assiste quand même à un phénomène, on travaille aujourd'hui à l'échelle de la métropole à des rééquilibrages, parce qu'il y a évidemment des déséquilibrages entre communes, on y travaille depuis maintenant 5 ou 6 ans, il y a un consensus politique pour le coup là-dessus, donc on améliore, on manque quand même de logements, il y a encore beaucoup de demandes, parce qu'en fait le logement social il est aussi aujourd'hui dans une trajectoire d'habitation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, contrairement à ce que peuvent vivre les gens, le logement social, ce n'est pas obligatoirement que les gens en grande misère, en grande pauvreté, qu'on logerait là et ça se ghettoiserait. Enfin, cet imaginaire-là est une partie de la question. Mais il y a aussi aujourd'hui tout un ensemble de gens qui, dans leur début de carrière, dans leur début de vie, bénéficient de ça, puis ensuite vont faire un parcours résidentiel qui vont les amener à être propriétaires plus tard, etc. Donc, je pense qu'il faut, faut réfléchir à cet enjeu. Sur la question de la sécurité, pour être très franc, je vais témoigner devant vous à la fois d'une conscience très forte et en même temps d'un échec. Et le colonel Patou, qui a été nommé il y a peu de temps et qui est avec nous chargé de la question sur l'échelle de la métropole, moi j'y vois un très beau signe justement de coopération importante entre l'État et nous-mêmes. Et je le remercie de l'engagement de la gendarmerie dans ce secteur. La métropole étant moitié police, enfin une partie police, une partie zone gendarmerie. Pendant longtemps, Clermont-Ferrand est une métropole moyenne, petite ville de province agréable. Les taux de domicile y sont quasiment epsiloniens. Et en plus, quand il y en a un, il est résolu dans les 6 mois. Donc, vu de Paris et vu de Beauvau, si vous voulez, nos problèmes. Et c'est un peu une réalité. Et d'ailleurs, les gens avaient l'impression, finalement, d'être éloignés de ce qu'ils pouvaient voir dans certains centres urbains plus grands, à Lyon, à Paris. Cela est terminé. La métropolisation des villes, l'absolu défi de la drogue, je le dis parce que c'est un des grands enjeux du XXIe siècle, de la drogue dans nos territoires urbains et ruraux même, hein, est affolant, le nombre de zones de deal, le nombre de consommateurs, les lycées, les étudiants, quand vous avez 50 000 personnes de moins de 24 ans. Moi, mon fils a 15 ans, quand il a eu 12 ans, quand il est entré en 6e, il m'a dit « je sais ce que c'est le shit », j'ai cru qu'il me racontait des bêtises, il m'a dit « non, on s'est fait comme ça ». Enfin, j'ai compris dans la description qu'il avait évidemment à 12 ans, en 6e, déjà vu passer des boules de shit dans son collège, et qu'il ne me racontait pas n'importe quoi. Parce qu'avec la parole des ados, des fois, il y a un peu des fois de fantasme. Mais en tout cas, c'était une réalité. Donc, il y a là, et ça génère, pardon d'être un peu rapide, hein, mais ça génère des points de fixation. Au début, on a des cris. Des fois, on se moque de la femme qui passe, parce que ça joue beaucoup ce genre de situation. Puis après, ils sont beaucoup bu. Quelquefois, ils sont eux-mêmes consommateurs. Après, ils se battent. Et puis ensuite, quand on vient les chercher, ils mettent des coups de couteau, etc. Donc, il y a une graduation dans la violence symbolique et donc du coup une perception et une irritation et une insupportabilité de la part des citoyens qui est réelle, qu'on constate. Donc moi je crois que le plus grand défi qui va être donné, c'est aujourd'hui la lutte contre cette situation-là. Moi je suis ni du côté, donc j'ai longtemps, et c'est un peu mon échec, j'ai longtemps essayé de tenir... Birbaum vient de sortir un livre qu'il faut absolument lire sur l'éloge de la nuance, sur tous ces hommes et ces intellectuels qui ont essayé de tenir entre les deux blocs. Donc moi, je pense que la course à l'ultra-sécurité est une ânerie politique instrumentalisée, insupportable. J'étais opposé, je le suis toujours, à l'armement des policiers municipaux. Je crois au régalien, je crois à l'État. Seul l'État doit avoir une police. Je ne crois pas que le mode du Far West et de l'Amérique du 19e et 20e siècle soit un exemple à suivre en matière de sécurité. Je suis aussi complètement opposé à tous ceux angéliques, notamment dans mon camp, qui m'expliquent tous les 4 matins que tout ça n'existe pas et que c'est une instrumentalisation et qu'on vit dans un monde formidable et que tout le monde s'adore. Ces deux pôles, je les rejette. La difficulté de tenir un pôle complexe, c'est que ça n'a pas fonctionné. Les gens ont l'impression que quand je dis « c'est plus compliqué que ça, c'est à l'état de faire »,
je rejette ma responsabilité, je ne fais pas mon job. Et puis, quand je commence à dire oui, bah, je vais quand même donner des pistolets à impulsion électrique à mes policiers, d'abord comme employeur, parce que je veux qu'ils se protègent, parce que la violence, je la constate à chaque fois que je lis leur PV d'intervention et que de plus en plus, ils sont agressés par arme blanche simplement quand ils demandent un papier. Donc, et là, tout d'un coup, je deviens quasiment… J'ai perdu toute mon identité de gauche et c'est tout de suite, je suis pas un fasciste en puissance. Je caricature un peu, mais c'est à peine ça. Et cette incapacité à penser la complexité sur ces questions de la sécurité, pour moi, un enjeu majeur. La solution, et c'est pour ça que je suis content que vous n'ayez pas tous avec nous aujourd'hui, la solution, il n'y en a pas 36. Il faut continuer de façon extrêmement tenue à travailler entre le DDSP, le directeur de la sécurité publique, les équipes de la gendarmerie, le procureur de la République, le maire, le préfet. Et il faut qu'on active l'ensemble des réseaux, notamment au sein des conseils intercommunaux de lutte contre la délinquance, pour trouver des solutions dans les transports publics, dans l'intrafamilial, dans les cambriolages. Voilà trois des pistes et la drogue. Voilà les pistes qu'on a mis en œuvre dans ce CSPD. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, honnêtement, la réponse va devenir de plus en plus compliquée à inventer parce qu'il va falloir des moyens. Voilà. Merci à Hélène Pichon d'avoir donné la bonne référence, le courage de la nuance. C'est extraordinaire ce livre, il faut le lire absolument. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur peut-être des réponses et des interactions sur le sujet. Il faut réussir à trouver un équilibre. Et c'est peut-être ce qui est intéressant dans cette crise que nous venons de connaître, hein, c'est que la simple compétition territoriale, forme de conclusion, ne peut pas être le seul moteur de notre réussite. Les gens vont être demandeurs aujourd'hui de quantités, plus comme ça, mais de progrès qualitatifs, et donc d'attention particulière au quotidien, à la santé, à l'alimentation, à la sécurité et au sens régalien du terme, au logement, à la mobilité, au fond, à tout ce qui fait leur vie du matin où ils se lèvent, au soir où ils se couchent. Merci, monsieur le maire. Alors, nous ouvrons la dernière partie, c'est celle effectivement du débat. Alors, qui souhaite réagir ? Maxime, ceci t'inspire quoi ? Oui, monsieur le maire, j'ai demandé un rendez-vous avec vous, avec l'ancien ministre Jacques Godefroy, qui préside l'association La Méridienne pour la promotion du Massif central au travers de la promotion de la plus belle autoroute du monde, qui est la 75. Je vais, dans l'attente de vous le dire en face, vous poser une question très simple. Nous observons qu'une grande partie du trafic autoroutier part vers Lyon-Marseille parce que les gens fortunés d'Europe du Nord voient Lyon-Marseille quand ils sont à Paris, et on ne voit jamais Clermont-Ferrand ou Toulouse. Et donc, il suffirait de prendre quelques initiatives permettant de faire connaître la 75 pour qu'une partie de ce trafic se rende compte qu'on peut descendre vers le sud en traversant le centre de la France, pour que peut-être les données touristiques changent au profit de l'Auvergne et de l'Occitanie. Alors, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ça. Enfin, Clermont-Ferrand, Toulouse sont des villes inconnues quand on quitte le périphérique parisien. Vous savez, d'abord, je vous recevrai avec plaisir. Je pense que c'est intéressant qu'on croise, évidemment nos diagnostics. Parce que, d'abord, vous savez, parce que je sais que vous connaissez bien l'histoire de la ville, que mon prédécesseur, Roger Quillot, a démissionné de son poste de maire et créé une crise pour garder le seul panneau qui, à la sortie du périphérique, indique Clermont-Ferrand en dessous de Bordeaux. Et donc, c'est vous dire à quel point la conscience de cette problématique est très forte chez les élus ici. Alors, moi, j'avais intuité une chose, et donc, c'est quand même que, et là, peut-être nos amis gendarmes pourront le confirmer, j'avais l'impression quand même que, après l'ouverture du pont de Millau, et donc la complétude de Paris-Montpellier par chez nous, on l'a vu, nous, tous les étés, le péage de Clermont-Ferrand est devenu un des points de, 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 de,
un des nouveaux points de bouchons estivaux du territoire. Donc, il y a quand même eu plein de gens qui se sont rendus compte, d'ailleurs, qu'une partie de cette autoroute étant gratuite, il valait mieux passer par là et éviter la coulée rhodanienne et le tunnel de Fourvière. Mais du coup, il y a certainement encore des choses à faire et c'est pour ça que nous devrons nous rencontrer. Cette croix autoroutière, elle a aussi ses inconvénients, et encore les gendarmes pour le compléter. C'est pas loin c'est ça qui a rendu justement l'explosion du trafic de drogue quand même sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, de Bordeaux à la Suisse et de Paris à Montpellier, donc ensuite Espagne d'un côté ou Italie de l'autre, on est sur une croix, je crois, où les go-fast font fureur. Et nos amis douaniers passent leur temps à essayer de mettre fin à ce genre de circulation. Mais avec plaisir pour échanger avec vous. Me permet de rajouter un petit mot sur un tout autre sujet. Au travers de votre diagnostic, j'ai reconnu Clermont-Ferrand tel que je l'aime. Il faut ajouter aussi que cette ville industrielle, et ce n'est pas seulement Michelin, vous l'avez bien dit, les entreprises jouissent d'un niveau de fonds propres très élevé, le plus élevé de France quasiment. Et ça signifie que lorsque l'État débranchera les tuyaux d'aide aux entreprises, c'est certainement pas dans le Puy-de-Dôme qu'il y aura les plus grandes difficultés. Voilà, parce que le niveau des fonds propres des entreprises auvergnates est très élevé, c'est un formidable atout. Janséniste, peut-être aussi. Oui, vous avez raison, et vous avez raison de dire que quand les pompes vont s'arrêter, il risque d'y avoir des nouveaux chocs économiques. Chez nous, on sera un peu préservé. Merci. Alors, autre question ? Alors, je vais poser une question qui nous est parvenue de Pascal Fruquet. Quelle est votre stratégie en matière d'innovation publique urbaine ? Budget participatif, action de co-construction, est-ce une stratégie globale ou ciblée sur certains grands projets structurants ? D'abord, alors je ne sais pas si ce que je vais citer sera tout dans le périmètre de la question, mais nous avons deux lignes de transport public sur lesquelles nous avons réussi à faire une réflexion autour de l'électrique. On s'était posé la question de l'hydrogène. Donc, on est aujourd'hui, en termes de mobilité, on essaye de trouver des solutions innovantes. En matière d'urbanisme, notre ville a eu longtemps un retard en matière d'orientation stratégique forte, et donc du coup nous sommes en train de rédiger notre plan local intercommunal d'urbanisme PLUI qui va définir pour les 21 communes de la métropole les enjeux. Pour ce qui est de l'habitat, par contre, nous avons déjà des opérations d'innovation, notamment sur des habitats co-construits, des habitats partagés, des habitats collectifs d'habitants. On en est au quatrième ou cinquième projet, cela devient un phénomène que nous regardons avec beaucoup de bienveillance, que nous accompagnons. Voilà, nous avons aussi travaillé, là c'est plus mes prédécesseurs, donc il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Je crois qu'on est une des grandes villes de France à avoir plus de 14 000 panneaux, 14 000 points lumineux qui sont en contrôle unique chacun, donc je peux baisser la lumière et l'intensité sur chacun de ces points avec un centre névralgique qui les gère. Ça fait que des villes comme Mexico sont venues voir le dispositif en matière de gestion et d'innovation. Là où nous avons un sujet, moi je dis souvent les choses, hein, là où nous avons un sujet de faiblesse, me semble-t-il, aussi pour être dans cette stratégie d'innovation, c'est sur la question des données. Je pense que l'open data, les data des villes, des métropoles, des territoires sont certainement l'une des richesses à venir. Alors, il faut délimiter ce qui doit être de l'ordre du public, c'est-à-dire de la ressource gratuite, de ce qui peut demain être de la ressource qui pourrait être des ressources complémentaires à des budgets qui seraient contraints en termes de fiscalité pour les collectivités. Et du coup, je pense qu'on a un travail à faire en matière d'innovation sur la question de la recherche data. Il y a, oui, Hélène Pichon, en même temps, je lis les questions. Mais vous avez parfaitement raison. Il y en a une que j'ai sautée, d'ailleurs, il faut que je regarde tout à l'heure. Mais oui, il y a l'aventure Michelin, il y a un musée qui retrace
qui d'ailleurs est un des musées les plus fréquentés de la ville, aux grandes dames du maire. Je dis ça souvent à Jean-Dominique Senard ou à maintenant à son successeur, Florent Ménégo. Ils font plus d'entrées que mon musée des Beaux-Arts, donc ça, ça m'horripile, mais c'est juste de la compétition entre nous. Mais c'est, monsieur le maire, parce que ce n'est pas un musée, mais une aventure, et vous l'avez dit. C'est vrai. Ils ont d'ailleurs réussi, ils ont créé un autre, juste en face d'ailleurs, l'aventure, enfin, ASM Aventure, qui est aussi un lieu qui fonctionne très très bien. Parce qu'on est effectivement sur des nouvelles muséographies. Et puis la marque Michelin, très honnêtement, est aujourd'hui un mythe. Vous savez qu'on avait fait une très grande exposition avec eux, conjointe, quand je parlais de partenariat public-privé, sur les affiches graphiques de Michelin, parce que c'est quasiment l'inventeur de la pub commerciale et du bibadob. Donc, on avait retracé l'histoire à travers toutes nos collections aux uns et aux autres. Une très grande expo qui avait très, très bien marché sur les affiches au musée Roger Quilliot d'art, justement, aux marques. Merci. Alors, bonne transition. Je vais passer la parole à Hervé. On ne peut pas passer à côté de la transition énergétique. Hervé, je vous laisse poser votre question. D'accord, bah écoutez, merci. Oui, comme j'avais écrit effectivement hier, autant sur... il y a un retard sur les objectifs de transition énergétique, notamment sur l'utilisation des bâtiments, autant, et Olivier Blanquier en a parlé, il y a la décarbonation des transports avec le projet Inspire, là, sur les transports, notamment pour les bus, il y a une accélération de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 dans ce domaine. Mais finalement, en tant que maire et président de métropole, comment être exemplaire dans cette nécessaire accélération, notamment pour les bâtiments publics? C'est une très bonne question. Bon, là, le prochain plan pluriannuel, on a priorisé la rénovation thermique des bâtiments, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de faire mieux. On avait fait un gros travail sur le logement social, hein, je sais que tu le sais, puisque sur le premier mandat 14-20, j'avais 7000 passoires thermiques en logement social, j'en ai fait 4500, donc je me suis engagé à résorber ça, mais on ne peut pas aller plus loin sur le logement, et notamment en direction des privés, si nous-mêmes on ne fait pas un effort, et puis en plus, c'est salutaire, hein, parce que demain, mes successeurs, quand ils auront payé la facture d'énergie des équipements, ils n'auront plus d'argent pour rien d'autre. Vous savez, une ville comme nous, c'est 60 écoles, c'est une trentaine de gymnases. Enfin, je ne sais pas si tout le monde voit ce que ça peut signifier en termes de facture énergétique. Donc là, on a fait un diagnostic, Hervé, de l'ensemble de nos bâtiments. On va entamer des travaux lourds et on va, sur plusieurs années, on a priorisé dans le PPI, la rénovation thermique. J'ai nommé même un adjoint que sur ces questions-là, Rémi Chabrien, qui est en train de travailler d'arrache-pied pour essayer de rattraper le temps perdu. On se retrouve avec des factures, même en termes d'investissement très lourdes. Une maison de la culture, par exemple, aujourd'hui, les premières études parlent. Alors, ce n'est pas que l'énergie, mais la rénovation d'un bâtiment, par exemple, des années 50, hein, pour être clair, ça va être 18 millions d'euros. C'est quasiment le coût d'une construction, c'est la moitié du coût d'une construction neuve sur ce type d'équipement. Qu'on est sur des choses quand même extrêmement lourdes. Hein. Et donc, il va falloir qu'on les priorise. Je suis absolument d'accord avec ça. Et ça a été d'ailleurs mis dans les axes du budget là, à venir. On va bientôt présenter ce point-là. Très bien, merci. Merci. Alors, nous arrivons au temps de la synthèse. Rémi. Oui, Loïc, merci. Et rebonjour à tous, monsieur le maire, Olivier Bianchi. Moi, j'ai été frappé en tant que journaliste qui suit l'aménagement du territoire depuis, j'ose pas dire quand même, par votre positionnement qui me paraît extraordinairement atypique. Fort en indépendance, vous avez parlé de vous-même comme le chef d'une tribu gauloise. Je note quand même que c'est un chef de tribu gauloise à forte identité de gauche, et c'est important, mais à vous entendre, on ne retrouve pas le discours de beaucoup de vos amis, en effet, et c'est pourquoi je note d'abord un très fort positionnement
autonome et original. Alors, vous l'avez dit, on est sauvé par la volonté politique et par les atouts qu'on a dans la main. Et moi, je relève sur trois points que c'est cette maxime que vous mettez en œuvre. D'abord, sur un premier point qui est, je relève dans vos propos un obstacle évident, un obstacle majeur, mais que vous arrivez à surmonter. Deuxièmement, une dynamique endogène évidente que vous encouragez. Et puis, troisièmement, un fort projet local, territorial. Vous n'avez pas à dire détail, mais on le ressent partout, chez, là, dans la dernière question notamment, à forte dimension climatique et sociale. Alors, le premier, ce que je relève comme obstacle, c'est justement cette question de l'aménagement du territoire. Je trouve assez extraordinaire la façon dont vous dressez un tableau, finalement, qui sort de l'impasse dans laquelle longtemps, me semble-t-il, les grands élus du Massif central, j'emploie ce mot volontairement, se sont enfermés en matière d'aménagement du territoire, en hésitant entre un Massif central qui engloberait le Limousin, tu fais référence, ou bien un Massif central qui regarderait le sillon rhodanien. Et vous voyez aussi à quoi je fais référence, c'est le choix qui a été fait lors de la dernière réforme de la France des régions. Or, vous dépassez, en tout cas c'est fort marquant dans vos propos, cette balance, cette sorte d'hésitation qui a peut-être coûté cher pendant très longtemps, en intégrant les deux. Vous dites « je fais les deux », c'est-à-dire que je positionne Clermont comme le centre de ce grand ensemble, et en tout cas comme une métropole moyenne. On a dit que l'aire urbaine, c'est 420 000 habitants environ, mais forte, à côté non seulement de Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, mais de Limoges également. Et malgré les mots durs qu'a eu Loïc, on sent qu'en effet, là, c'est votre décision politique qui marque les choses. Alors, ça se ressent dans ce que vous dites des coopérations. Vous demandez une coopération forte avec l'État. En effet, c'est lui qui détient la clé de la ligne rapide Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Dans la construction de cette centralité centralienne, massif centralienne, que vous construisez vous-même en étant chef de file, en étant la locomotive qui tire, des liens extrêmement forts de l'urbain dense au rural, comme vous l'avez dit. Je renvoie à ce qui s'est dit, il faudra réécouter le replay, c'est très intéressant. Alors, moi, ce qui me marque, évidemment, c'est votre capacité à saisir les atouts que vous avez dans la main. Là aussi, c'est peut-être une position atypique dans votre camp politique, mais votre façon de vous ouvrir à tout ce qui peut être positif, et notamment venant des acteurs privés du territoire, des territoires, c'est tout à fait marquant. Et en effet, vous avez égrené un certain nombre des grands noms de l'économie clermontoise au sens large. Vous auriez pu parler également de la filière aéronautique avec notamment Constellium. Mais il n'y a pas que Michelin, pour vous dire, vous l'avez bien dit, en effet. Ce projet, il est évidemment économique, vous en avez beaucoup parlé, notamment dans la première partie, mais c'est aussi un projet territorial, et ce que j'ai noté, à forte intensité climatique, et là, à la tête d'une majorité, je dirais rose, rouge, verte, vous n'en faites pas des tonnes, comme d'autres équipes municipales élues l'année dernière peuvent le faire, mais on sent bien que vous êtes prêt à vous saisir des atouts que vous avez en main. Là encore, vous évoquez le cadre nature, qui est évident, parce qu'il y a un train qui fonctionne quand même dans la région, c'est celui qui mène au sommet du Puy-de-Dôme. Mon ami Gilles Bouvelot me le rappelle régulièrement, ce qui a contribué à sa construction. Ce cadre de nature qui est là, et puis ces capacités, cette ville du quart d'heure qui est déjà la vôtre, et puis les potentiels que vous pointez de développement
au sein des tissus urbains constitués, vous parlez de 250 hectares de friches industrielles à faire muter, mais c'est aussi la rénovation urbaine des quartiers de logement social. Pensons à la Grande Muraille, feu la Grande Muraille, par exemple. Et puis, cette dimension énergie qui a été évoquée dans la dernière question, tout cela trace, vous avez parlé de qualitatif, d'approche non seulement quantitative, mais qualitative et de soins apportés à la santé, aux questions alimentaires et pas uniquement à la masse de béton qu'on coule ou qu'on démolit. Dans la façon de faire, moi je relève un mot qui est revenu très souvent dans vos propos, c'est la bienveillance. Dans les relations avec vos partenaires territoriaux, avec les partenaires de l'économie locale, avec la population, vous parlez beaucoup de bienveillance. Y compris, on sent bien le pain in the neck, la douleur dans le cou, comme disent les Anglais, que représente la question de la sécurité. Mais c'est dans un champ où le social est au moins au niveau du climatique dans votre démarche. Et c'est peut-être ce qu'on appelle le développement durable. Voilà. Merci Rémi, c'est impeccable, impeccable. Alors, on va transgresser la règle, généralement le mot de la fin est pour notre invité, ce qui sera le cas, mais je vais quand même vous poser la question que vous pose Éric Isabelle, qui, je vous le rappelle, est maire adjoint de Bois-Colombes. D'autant plus d'intérêt que nous avons, comment dire, une représentante de la dynamique Cœur des Villes. Alors, la question est la suivante. La dynamisation des commerces de centre-ville sont un enjeu important pour les villes. Sur ce sujet, quelle est la vision politique de Clermont-Ferrand et les actions associées à engager pendant la mandature? Alors, et d'abord, merci à Rémi Cambeau pour la synthèse. Je trouve la synthèse presque plus intéressante que ce que j'ai dit, en tout cas plus... il a même dit mieux que moi quelquefois des choses que j'ai pu essayer de chercher. Je partage son analyse. Vous savez, monsieur le maire, il n'a fait que la synthèse de ce que vous avez dit. Et bah, tout à fait, Loïc, tout à fait. Honnêtement, elle est vraiment très bien. Et je souscris à cette idée de nuance, de bienveillance, d'équilibre et d'imaginer qu'on fait les choses, et je vais revenir sur le commerce puisque c'est la question, de faire les choses toujours ensemble. Je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir autrement, et il faut l'accompagner par contre d'une identification, d'une incarnation, d'un projet, d'une volonté forte. Être fort en politique ne veut pas être obligatoirement dire dominant, mais être fort, ça peut être aussi justement être, comment dirais-je, en capacité de fédérer et de créer une énergie. Sur les commerces, justement, c'est ce que nous avons fait. Ça fait partie de ces dossiers qui sont toujours compliqués, puisque en réalité, quelle est la marge de la puissance collective, quelle est la transformation des consommateurs et de leurs actes de consommation qui génèrent des choses. Donc nous, on a fait trois choses essentielles. La fin, dès 2014, des mètres carrés supplémentaires en zone commerciale extérieure, ça va être dans la loi, c'est dans la loi. Nous, on l'avait entamé en 2014. Pour être honnête avec vous, voter dans un certain nombre de textes régaliens, de réglementaires régaliens de la métropole et du territoire, pas toujours appliqué à l'échelle de certaines villes, quand le maire pense qu'il faut quand même agrandir sa grande surface, etc. Hein, donc là, on est au cœur des contradictions des élus locaux et des territoires. Donc, tout le monde veut plus de commerce en centre-ville, moins de grandes surfaces chez les autres. Tout l'enjeu de l'interconnectivité, c'est souvent d'ailleurs de lutter contre les égoïsmes additionnés. Donc ça, c'était le premier grand volet pour arrêter de fragiliser le commerce de centre-ville. La deuxième chose que nous avons faite, c'est que nous avons mis en place une cellule commerce qui est dans les services de la ville. J'ai recentralisé toutes les administrations qui sont utiles aux commerçants, et donc un guichet unique pour toutes leurs installations, leurs travaux, leurs problématiques réglementaires, etc., pour leur faciliter la vie avec la ville. On a été classé d'ailleurs deuxième ville dans notre catégorie, ayant eu le plus beau travail en direction du commerce par le label, j'ai oublié son nom,
qui justement met en valeur ce travail-là. La troisième chose que nous avons faite, c'est nous avons contractualisé. Donc, vous avez en fait ma méthode. Nous avons contractualisé avec la CCI pour recruter ensemble un manager de centre-ville qui a mis en place tout un travail en direction des commerçants sur l'animation, la réactivité à leurs besoins, l'information sur les travaux, les conventions avec les associations de commerçantes sur des manifestations commerciales avec eux, sur de l'animation. Et puis moi, j'ai décrispé, mon prédécesseur avait décidé que le centre-ville était quelque chose qui était en soi une sorte de lieu un peu important, mais en même temps, du coup, un peu muséographié. Moi, j'en ai fait un lieu de vie. Donc moi, quand dans une rue, deux bouchers et un charcutier veulent poser des tréteaux pour faire venir une vache, je pense justement à ce qu'on a fait, la rue de la Boucherie, et que tout d'un coup, on a 150 personnes qui boivent du blanc le matin jusqu'à 11h et qui font une vie de quartier, ben ça, je dis oui toujours. C'est-à-dire que j'ai autorisé, à un moment donné, l'effervescence de l'initiative individuelle, collective, des associations. Et donc, on a remis un peu de cœur vivant. Maintenant, j'aurai un travail, parce que je ne veux pas vous vendre les choses. Je pense que maintenant, on a fait beaucoup sur la rénovation urbaine avec l'ANRU 1 et l'ANRU 2. Beaucoup, beaucoup d'argent. On a des quartiers populaires qui, honnêtement, tiennent la route. Je pense qu'il est temps qu'on se mette à rénover notre centre-ville. Parce que, bon, bah, c'est comme tout, hein, le centre-ville, ça... Il faut lui redonner un peu de lustre. Donc, on est en train de commencer à y travailler. Ça accompagne aussi les commerçants. Donc, voilà, vous avez un peu la recette à la Clermontoise. Travailler avec la CCI, travailler avec les associations de commerçants, travailler avec sur nous-mêmes, le régalien, comment on facilite la vie. Et puis, travailler avec le tissu national pour essayer de trouver des solutions en direction des commerçants. Du coup, à la sortie du premier confinement, ce sera une sorte de réponse, à la sortie du premier confinement, on a fait des chèques cadeaux qu'on avait co-construits avec les associations de commerçants. Ça a marché énormément bien et ça a cartonné. Et donc, c'est une façon que j'ai d'accompagner. Là, pour les restos, je paye une campagne de communication, c'est-à-dire qu'eux, je veux qu'ils fassent leur chiffre d'affaires, qu'ils se concentrent sur les moyens, donc ils élargissent leur terrasse avec nous, on travaille. Mais moi, je fais une campagne de com' dans toute la ville en disant bah, « retournez dans vos restos, cuisiner, c'est un métier ». C'est le titre de la campagne de communication, avec des images d'un homme dépassé par la vaisselle et d'un enfant qui s'est barbouillé le visage ou d'une maman qui a explosé avec son four. Et donc, voilà, moi je suis en complément de l'initiative, je suis un accélérateur de particules, un fédérateur d'énergie. Merci Olivier Bianchi, merci. Vous nous rappelez qu'effectivement l'une des grandes tables parisiennes a été créée effectivement par un Auvergnat, je pense bien sûr à la brasserie Lip. Je pense que les Auvergnats de la gastronomie, on pourrait faire une émission à part entière. Alors, on a compris que l'un des talents de Clermont, c'était l'apérobique. C'est super. Donc, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Voyez-vous que c'était tellement, tellement superbe. Il est 10h24 et en général, on termine à 15. C'est l'un de nos souhaits, mais on ne pouvait pas vous poser toutes ces questions. Ça a été vraiment un très, très grand moment, un grand plaisir. Et surtout, voir que la technicité ne devait pas cacher la bienveillance. Et cette bienveillance urbaine, sociale, nous a beaucoup touchés. Donc, nous serons prochainement à Cannes, puis à Roubaix, et puis, bien sûr, nous continuerons et nous ferons une petite escapade façon Tour de France. Cycliste, nous irons jusqu'à Bruxelles. Nous accueillerons le orchestre. Merci à vous. Merci à vous tous. C'était un très, très grand plaisir d'accueillir Olivier. Merci à Rémi pour cette remarquable synthèse. Et bien sûr, merci à Meramsi, qui effectivement est au cœur des villes. Merci à vous tous. Merci monsieur le maire. Merci à tous de votre accueil. Merci, et au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci.